J'aimerais passer une dernière nuit avec mon ex, pendant que je suis toujours forte. Ça va, oui. Tu as été voir le docteur? Oui, j'ai été voir le docteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Meneghete. Oui, docteur. Je vous ai appelé par rapport à la situation de votre femme. D'après nos examens, la femme souffre d'une tumeur avancée. Et il ne lui laisse que 10 mois à vivre. Ah bon? Oui. Nous sommes vraiment désolés. Il n'y a pas de solution? Franchement, il n'y a pas de solution. Et je vous informe en même temps que d'ici 7 à 8 mois, la probabilité qu'elle soit paralysée est très élevée. Nous sommes vraiment désolés. Pourquoi toi, Jérémy? Pourquoi? Chérie, arrête de pleurer. C'est pas de ta faute. C'est la volonté de Dieu, on n'est plus rien. Chérie, s'il te plaît. Tu prendras soin des enfants. Arrête de t'en. Chérie, il n'était pas convenu que moi, si je dois prendre soin de nos enfants, pourquoi toi? Je n'arrive pas à consommer ça, chérie. Aux trois enfants. On a trois enfants, chérie. Hein? Ça va aller. Écoute toi. Viens me reposer, chérie. Je t'ai envoyé un peu de thé. Oh, mes rabais. Ah, c'est un peu chaud. Ça va? J'ai beaucoup réfléchi. Tu as réfléchi? Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive à moi, mais je suis vraiment désolée. Tu n'es pas de ta faute, chérie. Chérie, j'ai une dernière requête à te demander. Comme il ne me reste que quelques mois à vivre. Pourquoi me demander? Chérie, tout ce que tu voudras seront des ordres exécutés sur moi. Dis-moi ce que tu veux. Je suis prêt à tout faire pour toi. Ah, comme toujours. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Chérie? Oui. J'aimerais passer une dernière nuit avec mon ex. Pendant que je suis toujours forte. Pendant que j'ai toujours la force. Juste une dernière nuit, chérie. Docteur. Oui.
Mais c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est très compliqué. L'affaire si est trop compliquée, voyou. C'est très compliqué.